Salut à tous, donc bienvenue sur le circuit de Pau. Voilà, le week-end est terminé, un week-end avec des points positifs, des points négatifs. Donc vendredi, on est arrivé sur le circuit. Donc j'avais pas de roulé depuis l'année dernière où j'avais eu quelques soucis sur le circuit avec de nombreuses chutes. Donc j'ai réussi à me mettre assez bien dans le rythme. On a fait beaucoup de réglages pour être à l'aise avec la moto. Et puis surtout beaucoup de travail sur le pilotage avec mes mécaniciens et du junior team. Donc on a pu progresser à chaque séance le vendredi et trouver une moto qui était assez saine pour les qualifications le samedi. Donc aux qualifications, j'ai réussi à améliorer mes chronos à chaque fois en me plaçant 13e et 14e. Donc c'était pas si mal que ça. Et on avait réussi à trouver une moto dont j'étais satisfait. Donc vraiment un bon travail de l'équipe. Et donc pour la course ce matin, je partais 14e, j'ai fait un assez bon début de course, je suis bien parti et j'ai réussi à rester dans un bon rythme toute la course. À la fin, à 2-3 tours de l'arrivée, j'ai pas réussi à garder le groupe dans lequel j'étais. En fait, j'avais un petit peu mal au bras, à mon bras droit et ça m'a pas mal handicapé pour la fin de course. Donc voilà, c'était un petit peu décevant, mais par contre, il y avait un bon rythme. Et cet après-midi, on a essayé un autre pneu qui était plus performant, qui allait vraiment bien. Donc j'ai fait encore un bon début de course. Et jusqu'à mi-course, c'était vraiment bien. J'étais dans le bon paquet, dans le groupe qui était en bagarre pour la 8e place. Et en fait, à un moment, j'ai roulé. Il y a eu un pilote qui est tombé. J'ai roulé sur quelque chose. Et 2-3 tours après, en fait, deux fois, je me suis fait des frayeurs en fait, où j'ai perdu l'avant. Et j'ai eu l'impression que j'avais crevé, malheureusement en fait c'était, enfin heureusement, je sais pas quoi dire, mais en fait c'était pas le cas du tout. Donc je me suis arrêté bêtement au stand pour vérifier la pression, et en fait il y avait rien du tout, donc voilà, j'ai un petit défaut d'appréciation. Donc forcément ça me déçoit beaucoup, et puis ça déçoit un peu tout le monde, c'est dommage, on pouvait faire un bon résultat. Maintenant il faut regarder devant nous, et ce qu'il faut retenir c'est que j'étais vraiment dans un super rythme cet après-midi. Je me bagarrais pour les bonnes places, je pouvais gagner en challenger. Et puis bah, du coup on le fera à Magny-Cours hein, maintenant qu'on est là. Donc voilà, je remercie tous mes partenaires, tous ceux qui me soutiennent, Choi, Sidi, SEMC, Suzuki France, le Junior Team Suzuki bien sûr qui me prépare des motos au top et mes mécaniciens. Merci à Sébastien Hoffner aussi qui m'a accompagné tout le week-end et qui me prépare physiquement. Merci à mes parents. Et une bonne fête aussi à mon papa parce que c'est aujourd'hui la fête des pères. Voilà. Bon, c'est pas le résultat escompté, mais bon, on se rattrapera la prochaine fois. Allez, salut à tous et merci beaucoup. Bye.